François Truffaut, tout à l'heure, nous parlions de la Chambre verte et de ce thème tabou, donc la mort. Est-il normal que le souvenir des morts s'estompe? Vous me disiez tout à l'heure, il faudrait pouvoir haïr les morts, pouvoir dire quelque chose de très méchant sur quelqu'un qui vient de mourir. Peut-être ce serait d'ailleurs la manière de bien parler des vivants. Ensuite. Non, même sur quelqu'un qui est mort il y a 100 ans. Il y a un homme que j'admire qui fait ça. Ne fera trois personnes. Si, Henri Guillemin fait ça. Ouais. Henri Guillemin est très drôle parce que, d'abord, Henri Guillemin, une chose qui me touche beaucoup quand je le lis, c'est qu'il parle des morts au présent. Ouais. Il dit, à ce moment-là, que fait Balzac? Il écrit à Stendhal et Alfred de Vigny va voir Napoléon. Vous voyez, ça, je trouve ça très bien. D'autre part, il règle ses comptes avec les morts. J'ai lu récemment dans l'Observateur quelque chose de très violent contre Voltaire. Ouais. Il était fâché contre Voltaire. Et ça, je trouve très bien. Alors peut-être que ce personnage de la Chambre verte ressemble un peu à Henri Guillemin.